Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser des muffins moelleux à la myrtille et un cœur coulant myrtille. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser nos muffins myrtille, vous avez besoin de 380 g de farine, 30 g de farine, 8 g de levure chimique, 2 g de sel, 4 g de bicarbonate alimentaire, 5 à 15 g d'extrait de vanille, 110 g d'œufs, 200 g de sucre cassonade, 115 g de beurre pommade, 230 g de crème liquide entière et 400 g de myrtille. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un robot pâtissier avec une feuille, d'une marise, de caissettes à muffins et d'un moule à muffins. Pour réaliser nos muffins myrtille, on commence par venir récupérer notre farine. On vient y ajouter notre levure chimique, on y ajoute notre bicarbonate alimentaire, on ajoute notre quantité de sel, à l'aide d'une grande cuillère, on vient mélanger les poudres entre elles. Une fois le mélange réalisé, on réserve, on vient maintenant mettre notre beurre pommade dans la cuve de notre robot, on vient ajouter nos 200 g de cassonade. On vient mettre la feuille à notre robot. On va maintenant venir crémer notre beurre avec la cassonade à faible vitesse. Une fois le mélange homogène obtenu, on stoppe notre robot. On va maintenant venir ajouter la moitié de notre quantité d'œufs. On remet la feuille à notre robot. On va venir mélanger sur faible vitesse pour incorporer la moitié de notre œuf dans la préparation. Une fois notre mélange homogène, on ajoute le reste de notre quantité d'œufs. On mélange toujours sur vitesse moyenne. Une fois le mélange homogène, on peut ajouter notre quantité d'extrait de vanille. Une fois l'extrait de vanille incorporé, on peut stopper notre robot. On vient maintenant récupérer nos poudres. On va venir verser un tiers de notre poudre dans la préparation. On va venir mélanger à faible vitesse. Une fois nos poudres incorporées, on vient verser un tiers de notre quantité de crème liquide entière. On mélange toujours sur faible vitesse. Une fois le mélange homogène, on peut stopper notre robot. On vient ajouter un second tiers de nos poudres. On mélange de nouveau sur faible vitesse. Une fois le mélange homogène, on vient ajouter le second tiers de notre crème liquide entière. Une fois le mélange homogène, on stoppe une nouvelle fois le robot. On vient maintenant ajouter le reste de nos poudres. On mélange une nouvelle fois à faible vitesse. Dès que le mélange est homogène, on ajoute le reste de notre crème liquide entière. On mélange à nouveau pour rendre la préparation homogène. Dès que la préparation est homogène, on peut stopper notre robot. On vient maintenant récupérer notre quantité de myrtille et nos 30 g de farine. On vient ajouter nos myrtilles fraîches dans la farine. On va venir enrober nos myrtilles de farine. Cela va permettre que nos fruits ne tombent pas dans nos muffins. Une fois nos myrtilles enrobées de farine, on vient les ajouter dans notre préparation. On vient maintenant mélanger délicatement à l'aide de la marise pour incorporer les myrtilles dans la préparation. Une
Une fois le mélange réalisé, on vient récupérer nos caissettes et notre moule à muffins. On vient remplir nos caissettes avec notre préparation. Une fois nos moules remplis, on va venir faire chauffer nos muffins dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 25 minutes. Pendant ce temps, on va réaliser notre confit de myrtille. Pour cela, vous avez besoin de 150 g de myrtille, 60 g de sucre, 2 g de pectine NH, 20 g de sucre et 10 g de jus de citron. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un robot pâtissier avec une feuille, d'une maryse, d'une casserole et d'un mixeur plongeant. Pour réaliser notre confit de myrtille, on vient mettre notre quantité de myrtille dans une casserole. On vient y ajouter notre quantité de sucre. On ajoute également notre quantité de jus de citron. On va venir porter notre préparation à cuire sur feu moyen. On mélange avec notre maryse pour rendre la préparation homogène. Pendant ce temps, on vient récupérer notre sucre et notre pectine. On vient verser notre quantité de pectine dans notre sucre. À l'aide d'une cuillère, on mélange. Une fois notre préparation mélangée, on réserve. Pendant que nos myrtilles compotent, on les mélange régulièrement pour ne pas qu'ils attachent au fond de la casserole. Au bout d'une quinzaine de minutes, quand nos myrtilles ont bien compoté, on vient ajouter notre sucre avec notre pectine NH. On va mélanger sans s'arrêter à l'aide de notre maryse pour incorporer la préparation. On va laisser cuire pendant une minute. Au bout de la minute, on retire notre casserole du feu. On va venir récupérer notre mixeur plongeant et on va venir mixer notre préparation. Une fois notre préparation mixée, on réserve. On vient maintenant récupérer une poche à douille avec une douille de petit diamètre. On va rentrer notre poche dans la douille. On va venir verser notre confit de myrtille dans notre poche. Une fois notre confit en poche, on réserve. On va maintenant passer au montage de nos muffins myrtilles. Une fois que nos muffins sont sortis du four, on vient immédiatement récupérer notre poche à douille avec notre confit de myrtille. On vient l'appliquer dans nos muffins. Une fois l'ensemble des muffins garnis avec le confit de myrtille, on va laisser complètement refroidir. Dès que nos muffins sont refroidis, on va venir les retirer de notre support. On vient maintenant retirer les caissettes. On voit ici que nos muffins sont bien moelleux. Et nos muffins à la myrtille sont réalisés. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.